Yo les Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est parti pour la suite de la carrière avec Ignace, la suite de l'US Open. Ouais. Pas de cam aujourd'hui parce que chaleur extrême, les gars. Voilà, attendez-vous de temps en temps s'il n'y a pas de cam. Posez pas de questions, c'est juste qu'il fait ultra chaud et que je suis en sueur. Voilà, je crève de chaud donc je me mets à l'aise tranquillement. Et comme ça, je suis un peu plus agréable pour tourner, tout simplement. Un souci de confort, les amis. Aujourd'hui, ça fait quelques jours que j'ai pas tourné donc on va continuer l'US Open. C'est vrai qu'il avait les trois premiers tours sont quand même plutôt bien passés, mais aujourd'hui, c'est très difficile puisque c'est Zverev. Il me semble que si on passe Zverev, oui, c'est ça, on affrontera Sinner qui détruit tout le monde. Donc, très 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 compliqué, les gars, déjà d'aller en, bah, déjà de passer les huitièmes. Ce serait bien de réussir, c'est quand même très 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 bien. Si on peut aller en quart, j'aimerais bien jouer contre Sinner sur le terrain. Sur le terrain, les amis, parce qu'on a déjà simulé des matchs contre lui, mais on n'a pas joué sur le terrain encore. Du coup, ce sera un match équilibré, mais Ignace est en meilleure forme. On s'est affronté deux fois, on l'a déjà battu, Zverev. Hein. On l'a déjà battu, ses faiblesses, c'est l'amorti et l'accélération, et ses points forts, c'est lift, instinct de tueur et effet service. Oh, ça va être très dur. Il est en forme comment? Bon, il n'est pas non plus. Voilà quoi. Il n'est pas non plus complètement à côté. Bon, eh bien, écoutez, les amis, je vous propose d'y aller direct. C'est un match important, mon petit Ignace, parce que. C'est-à-dire qu'on aurait pu. On aurait pu, les amis, gagner un grand chelem. On a fait une finale. On aurait pu remporter les JO. On a fait une finale. Et malheureusement, Ignace qui perd toujours en finale. Allez, on espère aujourd'hui qu'il va être bon, Ignace. Oh non, elle est out, c'est dommage. Parce que 0-30 dès le début, là, ça aurait pu mettre un peu Zverev mal. Pour l'instant, il n'a pas l'air de servir comme un dieu. Il faudra en profiter de tout ça. Allez, mon petit Ignace, ça va attaquer fort là. Il monte à la volée. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne cette volée de Zverev. Allez, mon petit Zverev. Tu veux pas être un peu nul, Zverev là? Alors, juste un tout petit peu nul. Ouais, ça j'aime bien, j'aime bien. Oula! Oula, ça j'aime un petit peu moins, Ignace. J'aime un petit peu moins ce coup droit qui est parti dans les champs carrément, dans le public. Allez, 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 fais-le galérer. Ah, c'est out. C'est out, c'est out. Je ne l'ai pas trouvé. C'est ça qui me rend un peu triste. C'est que je ne l'ai pas trouvé très fort. Zverev, là, sur son. Magnifique, ça. Sur son service, il n'a pas très bien servi. Il n'y a pas eu de points joués en deux coups. Comme ceci, par exemple. Et pourtant, on n'a pas réussi à le gêner plus que ça. Parfait. Très bien mon petit Ignace, j'aime beaucoup ce que tu proposes pour le moment. Oh, t'as servi très bien, oui, tu envoies le revers. Vamos, vamos les gars, vamos! Allez, on est content, hein, partout. C'est que ça va être un gros match. Il va falloir monter en puissance. Hein. Monter en puissance. Ça va, j'en ai parlé, les gars, j'ai dit quoi? J'ai dit il n'y a pas eu un seul service où il a gagné en deux coups. Et maintenant, ça y est, il a fait les deux premiers services en deux coups et un ace. Ah, génial. Et là encore en deux coups. Bon. Bon. Ça y est, il s'est déjà réveillé, Zverev. C'est pour ça. Hein. Faut profiter de chaque moment. Ça, j'aime pas. Tu vois, quand c'est free. J'aime pas quand tu loupes quand c'est free, mon petit Ignace. Ça annonce généralement rien de très bon. Rien de très bon, je vous le dis. Ok, un ace pour te soulager un petit peu. Le premier du match pour Ignace. Ah non, mais là tu joues au mid, c'est facile pour Zverev, c'est facile. Et là il va te la mettre à la volée. Hein. Là, il va te la mettre, bien sûr qu'il va te la mettre. Et du coup on est en difficulté. Deux balles de break déjà pour Zverev dès ce début de match. Est-ce que Ignace va pouvoir aller les écarter? Pas du tout. Aïe 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 mon petit Ignace. Aïe 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 aïe. Déjà là d'entrée de jeu tu te fais break. En donnant tout. En donnant 3 points sur 4. Ah là 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 là. Il rentre pas dans son match comme il devrait, Ignace. Il rentre pas du tout. Allez, on va le critiquer tout de suite. Pour espérer, je sais pas moi, un peu le piquer. Le piquer tout simplement. Et le voir se réveiller. Oula, double faute là de Zverev. Qui galère un petit peu. Ah, qui va pas galérer très longtemps. Parce que voilà, ça fait déjà 4-1 le premier set, je pense, qui sera pour Zverev, les gars. Hein. Il sera pour Zverev, hein. On sait à quel point Ignace a du mal à breaker, même quand il a les opportunités pour l'instant. Il n'a pas les opportunités. Et il s'est déjà bien, bien, bien loupé.
Ouais, ça devrait être point Ok, facilement, c'est parfait. bien. Il faut reprendre un peu de confiance quand même. Avec un jeu blanc, pourquoi pas. Mais tu vois, tu vas pas assez chercher de lignes. Cherche de la ligne, mon frérot, là. Ouais, là, faut monter. Oh, ce qui t'a mis. Mama, ce qui t'a mis, Zverev. Ce qui t'a mis. Ça fait pas plaisir. C'est pas le début de match qu'on aurait voulu espérer contre Zverev. Écoutez, pas trop le choix. Allez, maintenant il va falloir commencer à avoir des petites opportunités de break. Là, y a rien du tout là. Là, il y a juste revers dans ta grande gueule, mon petit Ignace. Bon, s'il est comme ça, les gars, on pourra rien faire, hein, je vous le dis. Même quand il sert pas très fort, ouais, il n'y a rien à faire là. C'était sur le premier jeu, hein, où il n'était pas hyper dedans. Là, il n'y a absolument rien à faire quand il sert comme ça, les gars. Ça va être très compliqué, hein. Très compliqué d'aller. C'est beau ça. C'est un beau point, c'est un beau point, mais un peu anecdotique malheureusement. Un peu anecdotique parce que voilà. Ça va faire 5-2. 5-2 pour Zverev. Allez, gagne ton jeu de service déjà rien que pour l'obliger à servir hein, pour remporter la première manche. Voilà, ça c'est bien. Pour engranger un peu de confiance quand même. Tu vois, là, c'est dommage, là. Manque de puissance, manque de ligne, manque de tout. Manque de tout, et ça aurait pu être un point joué en deux coups. Ok, ça, c'est un très beau revers. C'est très bien, mon petit Ignace. Ouais, des fois, il veut vraiment pas mettre de puissance. Hein. Des fois, il veut vraiment pas mettre de puissance, les gars. Hein. Pour l'instant, à la volée, Zverev est très costaud. Rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Allez, mon Ignace, gagne un rallye là. Ah, mais... Ok, elle est out. Bon, mon petit Ignace, il y a deux options. Soit tu débreaks, et peut-être que. Soit tu perds la première manche. J'avoue que je pense que la deuxième option. Je pense que la deuxième option va plus arriver. Oui, bah, y a... même pas un peu. En fait, c'est ça le problème, c'est que. S'il sert bien, il n'y a rien à faire, les gars. Voilà. Il a gagné en 10 secondes. En 10 secondes, il a gagné. Même pas. Ouais, c'est trop dur, les gars. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Ignace? Non, tu n'es pas fantastique. Allez, donc, on va essayer de lui dire, t'en fais pas. Tu vas revenir dans le match. Tu es capable, en tout cas. Allez, tu commences avec un ace à 230 km/h. Ça fait forcément du bien. Voilà, allume-le. Fais-lui du sale, mon petit Ignace. Voilà, c'est parfait. C'est bien pour commencer cette deuxième manche. Allez, 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 arrête de lui donner des balles pour t'assassiner là. Tu lui en donnes encore une, il va finir par t'assassiner, heureusement. Il n'a pas si bien joué que ça. Allez, ça fait 1-0. Maintenant, j'aimerais te voir un petit peu plus fort sur ses services. Parce que pour le moment, t'as rien démontré, t'as pas eu une balle de break. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur, les gars, de lui mettre des points sur son service, là. Il est vraiment... Il est trop costaud, les gars. C'est impossible. Je vois pas comment retourner contre lui. Hein. Je vois pas comment retourner contre lui. C'est trop dur. En plus, Ignace ne fait aucun effort. Ignace ne fait aucun effort sur son service. Il a vraiment pas envie. Ah, je le sens pas aujourd'hui, Ignace, les gars. Je vous le dis, je le sens pas de fou, là. Il m'inspire pas la victoire aujourd'hui. Maintenant, j'espère qu'il va me faire mentir et qu'il va se réveiller. Mais pour l'instant, ça semble assez compliqué quand même. Hein. Ah, tu vois, Léa, la volée, ça va pas. Ah là 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 là, Ignace, qu'est-ce que t'es en train de me faire? T'es en train un peu de louper ton début de match là. Hein. Le problème, c'est que on sait que les fins de match, c'est pas pour toi non plus, vu que tu te fatigues plus que tes adversaires. Donc là, on est pas super bien embarqué. Il faudrait remporter cette manche à tout prix. Allez, c'est bien. C'est bien, 2-1. Allez, je vous jure, c'est impossible. C'est impossible, en fait. C'est soit il doit faire le retour de l'année, Ignace, soit c'est foutu, en fait. Ok, va falloir ce genre de choses. Va falloir ce genre de choses pour nous mettre bien. Parce que là, il n'y a rien à faire. Je peux retourner long de ligne, je peux retourner en croix, je peux retourner où je veux. S'il nous met extérieur. Oh non, mais Ignace, je vous dis, quand je vous dis qu'il faut aucun effort sur le service de ses adversaires, c'est typiquement ce genre de truc, quoi. Putain, c'est déjà dur comme ça.
Tu casses les couilles, Ignace, hein, vraiment, tu casses les couilles, je te le dis. Tu casses les couilles à donner trop de points. Je trouve qu'il monte pas assez au filet aussi aujourd'hui, là. Bah ouais, du coup, il perd les points. Putain, allez, Ignace, là, réveille-toi. Réveille-toi, Ignace. Voilà. Je crois qu'on va essayer de lui demander de monter un peu plus au filet, mais après, j'ai pas non plus envie qu'il fasse que ça. C'est ça le problème, et pour l'instant, il y en a que très peu, donc je vais quand même... Ah, je vais lui dire de s'approcher du filet. Sur les situations normales. On va voir ce qu'il est capable de faire ici. Elle est pas bonne, elle est pas bonne celle-là. Ah, Ignace, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Là, t'es en difficulté. Allez, monte. Oh là là, non, mais c'est pas possible, Ignace. Oh là là, les gars, il y a vraiment des jours où il est vraiment trop nul. Il fait aucun effort. Hein. Ah bah oui, bien joué la puissance. Et voilà. Balle de break, horrible. Ah mais je le vois tout de suite quand il va être horrible. Oh, on a de la chatte. Hein. Waouh, je la voyais déjà de 1 rester dans le filet. Et là, elle prend la ligne, mais de très peu. Hein. De très 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 peu. Et ça montre déjà les failles, les gars. Hein, quand Ignace commence à galérer à gagner ses jeux de service. Et qu'en face, il met que des jeux blancs, bah on sait comment ça va finir. Hein. Il y a un moment où il va craquer, les gars. Hein. Et là, il galère à gagner son jeu de service. Le craquage n'est pas loin. Le craquage n'est pas loin pour Ignace. Ah non, laisse tomber. Laissez tomber, les gars. Je vous le dis, hein, je reconnais un joueur qui ne va pas gagner. Même s'il gagne ce jeu-là. Hein, c'est trop compliqué, là. Trop, trop, trop compliqué. Plus, je lui ai dit hein, de monter au filet. Il monte quand même jamais au filet. Ah, il pourrait monter au filet. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est tout simplement une catastrophe. Il sauve les meubles à chaque fois, mais là je reconnais Ignace à chier. Hein. Je reconnais Ignace à chier et malheureusement Ignace à chier ne gagne pas de match. Hein. Putain, fait chier quoi les gars. Il est pas du tout à la hauteur du rendez-vous. Pas du tout à la hauteur du rendez-vous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que là, il y aura aucune chance de le breaker. Est-ce que Ignace, tu peux d'un coup te réveiller? Est-ce que c'est possible, Ignace? Ah, c'est pas possible. Hein. Tu subis, hein, il subit à chaque fois, les gars. Hein. Chaque échange, il le subit. Y a aucun moment, c'est lui qui, en plus, voilà ce qui se prend dans la gueule. Y a aucun moment où c'est lui qui domine l'échange, en fait. C'est ça qui est dommage. Ah, voilà, là, il y avait clairement occasion de faire un passing long de ligne. Il joue au mid. Y a rien. Et comme je vous l'ai dit, lui, il le gagne en jeu blanc. Et Ignace, lui, va galérer à gagner ses jeux de service. Ça va être un enfer. Voilà. Il est totalement. Il est totalement de ça. Hein, ce qu'il est capable de faire, malheureusement. Ouais. C'est coup dur, les gars. Il a la ramasse. Il perd tous les points. Tous les rallyes, c'est pas pour lui. Il est pas dangereux sur les services. Et là, il se fait malmener comme never. À droite, à gauche, c'est lui qui fait que de courir et c'est lui qui perd le point. Il y a 2 balles de break. Non, mais je vous l'ai dit, les gars, c'est ça se voit tout de suite. Hein. Et voilà, il se fait breaker en ne touchant pas cette balle. Il n'y aura rien à faire. Je crois que Ignace va perdre en 3-7 aujourd'hui, les gars. Malheureusement, Ignace n'est pas du tout dedans. Ignace ne fait pas d'effort. Dommage! Ah, c'est dommage quand même hein, de. Parce que tu vois, si il perd parce que l'autre est plus fort, bon bah ok. Mais là, je sens pas non plus un Zverev exceptionnel quoi. Je sens surtout un Ignace en dessous, pas à la hauteur. Il est capable de faire bien mieux. Il a déjà battu Zverev. Là, je sens pas Ignace très fort là. Ah voilà, il aurait pu finir le point là avec un coup d'attaque et tout, il le fait pas. Quand il a l'avantage, il en profite jamais. C'est un Ignace pas en forme. Okay, bon là il a gagné un rallye, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Et confirme ce break du coup. Ah, trop compliqué Ignace, hein. Tu peux pas te permettre d'avoir ce niveau de jeu contre Zverev en 8e de finale de Grand Chelem. Hein. Tu peux pas.
C'est impossible de proposer. Voilà, regarde ça. Ah les gars, je vous le dis, c'est zéro. C'est zéro, c'est zéro. Des points qui doivent être faciles, qui met d'habitude tous les jours. Là, il est incapable de les mettre. Tout simplement pas dedans. Tout simplement à côté de ses pompes aujourd'hui. Et ouais. Soit il y a un réveil total à partir de la troisième manche, soit c'est fini. Hein. Par contre, je veux pas un demi-réveil. Hein. Regarde ça, frérot. Regarde-moi ça. Je veux pas un demi-réveil. Hein. Je veux pas un set exceptionnel pour après se refaire baiser en 2 secondes 30. Hein. Ouais, déçu, déçu, déçu d'Ignace. Hein. Très déçu d'Ignace ici. Qui a même pas eu une petite balle de break pour le moment. Il n'y a rien eu. Ah, c'est dur de voir Ignace comme ça là. C'est pas la première fois qu'on le voit comme ça. Hein. Là, malheureusement, on le voit trop souvent comme ça, mais. Il met tout dehors. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, Ignace. Hop là, encore dehors. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Ouais, je sais pas, les gars, je sais pas quoi lui dire. Hein. Je ne sais pas quoi lui dire, c'est juste une catastrophe. Je vais le critiquer, tant pis. Tant pis pour lui. J'ai besoin de sortir mes émotions. Le coach aussi a besoin de sortir ses émotions, mais là, y a rien du tout. Hein. Ignace nous a proposé que de la merde. Ah, bien sûr, tu vas te prendre le point. Hein. Tu le laisses monter à la volée. Aucun... En fait, il y a aucun coup d'attaque, les gars. Il n'y a aucun coup d'attaque, genre vraiment, c'est soit il sert bien, il finit en 2 points, soit il n'y a rien. Genre là c'est quoi ces coups là? J'ai l'impression qu'il subit sur chaque coup, c'est terrible. Maintenant il a la volée, il te la met. Et il y a déjà 2 balles de break, les gars. Non, il est zéro aujourd'hui, Ignace. Il est zéro. C'est comme dire, hein, même si là il ne se fait pas breaker, si déjà le premier jeu c'est comme ça, on sait que ça va être ça tout le set. Malheureusement. Putain, vas-y, ça dégoûte les gars. Je vous dis, ça dégoûte, hein, Ignace complètement à côté, ça dégoûte. Ça dégoûte, parce que bah voilà quoi. Y a même pas un peu de suspense, y a même pas un peu de. On y croit. Regarde ça, frère, mais c'est impossible de faire ça. Non mais je vous dis. En fait, il choisit ses matchs, hein. Combien de fautes directes déjà? 19 contre 6. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? 19 fautes directes, il en a fait 6 en face. Clairement, quelqu'un dans son tennis, c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Et c'est ce qui lui manque encore, Ignace. C'est ce qui lui manque. Regarde ça. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas du tout, les gars. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout pour Ignace qui pue sa merde, voilà. Hein. Disons les termes, les gars. Hein. Même s'il va remporter ce jeu, c'est une cata. Hein. Là, maintenant, il va y avoir un jeu blanc. Allez, allez, Ignace. Ah non, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il attaque jamais, Ignace, je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, les gars. Oh! Première fois qu'il me fait un gros retour comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'était pas un mauvais retour, mais il est dessus. Pas grand-chose à faire, là, il va te la mettre aussi parce que tu as retourné sur lui. Voilà, c'est ça le problème, c'est que lui, ça y est. Une fois qu'il est dedans, les gars, il n'y a plus rien à faire. Il envoie des coups de baiser tout le temps. Et c'est très compliqué. Ah, pour une fois, un coup qui lui échappe. Un petit coup qui lui échappe à Zverev. Ça arrivait très rarement depuis le début de ce match. Malheureusement, il va monter. Ok. Alors peut-être. Alors peut-être. Non, 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 non. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Zverev, il a dit non. Pas la première balle de break aujourd'hui. Ok, Zverev un petit peu en difficulté là, il a du mal à finir son jeu de service, mais ouais, le problème c'est que voilà quoi. En plus, il sert à 164, hein, ça passe quand même, hein, c'est ça qui fout le démon. Il sert à 164 et c'est quand même free. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau, mais malheureusement, c'est pas sur une balle de break. Ah là là, ça c'est dommage, lui donner un petit point gratuit comme ça. Parce que voilà, même s'il a eu des difficultés, il n'y a même pas eu une balle de break, il a même pas un peu tremblé. C'est juste dit putain merde, un peu chiant là d'avoir mis du temps à finir ce jeu.
Il agresse pas, Ignace, il joue que au mid. Il est que en Ah, défense, bah, c'est normal. On est basé sur un jeu d'attaque bon, c'est et le exceptionnel. mec il subit tout le temps, il fait que défendre. Bah ouais, c'est une Non, catastrophe. touchy. C'est une catastrophe, les gars, vraiment. Ignace, là, c'est la cata totale aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui va. Hein. Même quand il peut finir en deux coups, il le fait pas, il joue au mid. Pourtant, il y a rien qui fait que. Mid-season Hein. touchy. S'il n'était pas en forme, s'il était plus fatigué que ça, on pourrait expliquer ça comme ça. Hein. Là, il n'y a rien qui fait. Là, encore une fois, il joue au mid, alors que s'il joue long de ligne, c'est free. Hein. Là, pareil, s'il joue de l'autre 15 côté, for c'est me. presque free, mais il fait de la merde. Et il y a deux balles de break pour Zverev. Et voilà, il la donne. Bah, je vous l'ai dit, les gars. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite quand un match est ingagnable. Celui-là est ingagnable. Ignace a été très nul. Et là, maintenant, c'est juste une question de temps avant de s'incliner. Tristement, pauvrement même, j'ai envie de te dire. Très pauvre le jeu d'Ignace aujourd'hui. Il a d'énormes progrès à faire. De toute façon, s'il veut gagner un grand chelem, il va devoir progresser énormément. Après, c'est vrai que, bon, il y a des stats où on est. C'est ça où je me dis. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des stats où, genre, par exemple, coup droit, il a que 13. Je pense qu'un Zverev en coup droit, il doit avoir au moins 18. Il a déjà réussi à gagner, faire des finales, alors qu'il a peut-être des stats encore un petit peu en dessous. 15 Donc, c'est un love. peu ça qui me rassure, qui me dit, allez, quand il va progresser, ça le fera peut-être. Mais pour l'instant, bon, bah, il a pas encore le niveau pour battre ces mecs-là. Hein. Pour l'instant, c'est. Ouais, c'est un bon top 20, top 30, quoi. Et dès qu'on va 15 jouer le top ball. 10, là, c'est compliqué. C'est soit ils sont pas en forme, soit Ignace sort le match de sa vie. Mais on va dire, dans la 15 situation feet. normale, à situation normale, à situation égale, on va dire quasiment, 14, bah, on voit 15. qu'il a pas le niveau, là. Hein. On voit qu'il a pas le niveau. Même si là, tu vas gagner ton jeu. Three games to Parce que je sais go. qu'il est capable, les gars. Hein. Je sais très bien qu'il est capable. Hein. 15 love. Genre là, servir comme il l'a fait sur ce jeu d'avant là, Touchy. il est capable de le faire. Il nous a déjà montré qu'il est capable de le faire sur quasiment tous les jeux. Là aujourd'hui, 14 voilà, il y a love. énormément de fautes directes qui coûtent cher évidemment. Hein. Ça coûte très cher. Est-ce qu'il va lui coûter le match aussi en 3-7 hein. Après, Zverev est bon aussi. Hein. Voilà, hein. Il n'est pas exceptionnel, mais. Je voulais pas le féliciter, MDR. Il n'est pas exceptionnel, mais il fait quand même son match. Voilà, il profite du niveau exécrable de d'Ignace hein, pour faire le taf tranquillement, sans trop se fatiguer, sans trop forcer. C'est ça aussi qui est un peu plus frustrant, c'est que j'ai l'impression que c'est pas un Zverev qui force. Et pour l'instant, bon bah voilà. Hein. La 14 love. conclusion de tout ça, c'est tout simplement Ignace n'est Let pas encore au niveau. Il n'est pas encore au niveau pour emporter un grand chelem. game. Il n'est pas encore au niveau pour aller très très loin. Oh, second set. Pas si très loin, il l'a déjà fait, mais. Après, rappelons-nous aussi, les gars. Rappelons-nous que Roland-Garros, Love il a été win. loin parce qu'il y avait aussi eu pas mal de dingueries. Hein. Tous les gros favoris étaient déjà dehors. Rappelons-nous de ça. Hein. C'est pas comme s'il avait battu Sinner, puis après il avait battu, je sais pas moi, Rune, puis Zverev, puis je sais pas qui. Rappelons-nous que 15-0. tous les gros étaient arrivés peut-être pas super en forme quoi, à Roland-Garros et du coup, Sinner était 13-15. déjà dehors. Il y avait pas mal de monde qui était dehors. Et les plus Second gros qu'on a set. dû jouer, c'est, je crois, c'est Draper, le 8e mondial, qui en plus n'était pas en si 13 grande forme all. que ça lui non plus. Et après, il n'y avait que des 20-30e qui passaient comme Khachanov qui avait éliminé tout le monde. 40-30. Donc voilà, il faut remettre aussi les choses dans son contexte. La finale de Roland-Garros. C'est aussi parce que tous les gros étaient dehors. Et là, on voit tout de suite que dans les tournois, quand on affronte des joueurs bah, à leur niveau, Jinx. tout simplement. Hein. À leur niveau, tout simplement, bah, voilà ce qui se passe. Ball, Hein. second set. C'est bien plus compliqué. Si là, on peut encore une fois un petit peu gêner. Voilà, non. Advantage. Il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire, les gars. Il n'y a rien à faire. On va s'incliner aujourd'hui. Même pas pris un petit set. Ah, il est trop fort. Game. Il est Five trop games to fort, il n'y three. a rien à faire. Four, second service. Il n'y a rien à faire, mon 15 petit love. Ignace. Je suis quand même déçu, t'aurais pu montrer un peu plus d'adversité. 30 love. Il n'a rien montré, Ignace, aujourd'hui. Au contraire, même.
Il a fait tellement de fautes directes, il a donné tellement de points à Zverev. Encore comme là exactement, hein, comme là exactement, trop de points. Tu peux pas te permettre de donner trop de points à ce genre de joueur. Ils en ont déjà pas besoin pour gagner des matchs, alors si en plus tu leur donnes, c'est évidemment free pour lui. Allez, 5-4. Bon, ce sera pas une humiliation totale, hein. On va pas prendre. En plus, il y a le bug pour lui. On va pas prendre 6-1, 6-0, 6-2, j'en sais rien, mais. Mais bon, on va prendre 6-3, 6-4, 6-4, parce que là, Ignace ne sera pas capable d'aller breaker. Bon, sauf s'il nous en donne quelques-unes. Allez, allez, tu peux le faire. Par contre, si là maintenant. Bon, il le fera pas. 2 balles de match. Mais ça aurait été incroyable. Si là d'un coup il revenait, boum, et gagnait le match. Mais bon, on lui faisait une statue à Ignace. Là, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, c'est fini. Ignace, totalement à côté. Zverev, qui était là. On va dire que c'est une défaite qui te fera grandir. Hein. Tu comprends que t'as pas du tout le niveau. On va. La marche était trop haute, ouais, il faut le dire. Hein. C'est bien meilleur que lui aujourd'hui. Voilà, hein. Faut dire les termes, les gars. Faut dire les termes et du coup c'est perdu. Tiens, je suis curieux quand même de voir qui va gagner. Je pense que c'est Sinner. Parce que Sinner est beaucoup trop fort. Sinner est bien, bien, bien trop fort. Alors là, ce que je vais faire, faut pas le faire trop souvent. Mais là, je pense que je peux me permettre de le faire sur cette semaine d'entraînement. Parce que là, je veux qu'on progresse en coup droit. Là, je veux qu'on progresse en coup droit. Coup droit, pareil, revers 14-14. Puissance service aussi, il faut bosser ça. Retour, il a que 13. Contre, ah, il y a beaucoup de choses à taffer encore. Ténacité 18. Ah oui, mais il prend tout en ténacité, les gars. Et l'instinct de tueur. Je sais pas si ça augmente quand il passe ces niveaux-là, parce que là, il est confirmé. Quand il passe ces niveaux-là, j'ai l'impression que ça donne en random. Du coup, instinct de tueur, ça reste à 12. C'est dommage. Enfin, je sais pas si c'est random ou pas. J'aurais bien aimé que ça aille dans instinct de tueur un petit peu, quoi. Un petit peu, un petit peu. En tout cas, ouais, je pense que coup droit revers, c'est quand même les choses les. Bah, tu utilises le plus pareil pour le puissance service. Je pense que c'est les trois premières stats à monter quand même à plus de 15. Parce que, bah, tout simplement, hein, c'est les choses que tu utilises le plus dans le tennis. Hein. Et je pense le coup droit en premier, on utilise quand même beaucoup plus le coup droit, quoi qu'il arrive. Et même avec plus de revers, il a quand même beaucoup plus de points de coups gagnants en coup droit. Donc on va commencer par le coup droit. Et ce qu'on va faire ici, on va modifier. Et puis on va juste mettre que du coup droit. Alors faut pas le faire trop souvent. Je vais le faire une fois toutes les 2-3 semaines. Mais c'est important. Il n'y avait pas des filtres. Voilà, je veux des filtres. Je veux du coup droit. Je veux ce qui donne le plus en coup droit. Voilà, bah, ce sera le coup droit d'attaque, hein, comme à l'ancienne. Coup droit d'attaque, je mets que du coup droit d'attaque, les gars. Voilà, là, on lui met que du coup droit d'attaque. Validé. Hop. Je lui fais une fois. Et bonne chance. Allez, hein. Allez, mon Ignace. Et on regarde juste en même temps qui va remporter. Ok, parfait. Le truc d'étude niveau 2, c'est bien. Est-ce qu'on peut aller au niveau 3 directement? Bah non, c'est à fond. Ça, c'est en train d'être fait. Et ça, ok. Ok. Ouais, non, ok, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, on va voir déjà si c'est efficace. Après, bon, il y a eu 1, 2, 3, 4 entraînements. Bon, c'était pas un entraînement très intense. Mais il y a eu que 4 entraînements. Voyons voir. Ah, quand même, hein. Ça a pris 56% et plus 1. Plus 1, plus 1. Et même un bon plus 1, puisque. Bam, là, ce qu'on peut faire derrière, c'est peut-être un peu de puissance service. Est-ce qu'il peut s'entraîner là ou il a un tournoi? Ah, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, les gars, c'est la Coupe du Monde. Donc là, c'est ces petites semaines off. Et puis en fait, on va se laisser ici. Ah, on va continuer notre entraînement dès demain, dans le prochain épisode. En tout cas, on se laisse ici, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens!